sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down, 'cause I'm coming on strong. The grass should have looked greener. I need a true believer in disguise. Salut les bandits. Alors, on se retrouve ici aujourd'hui. Je vais pas pouvoir parler trop fort ici parce qu'il y a des voisins partout. Faut que on se fasse connaître avant. Après, on pourra parler un peu plus fort. Ça n'a pas été évident pendant ces quelques mois. Voilà, regardez. Je suis en train de fabriquer un radiateur d'huile hydraulique. Hop, voilà. Donc je vais mettre deux longueurs comme ça, avec un U ici. Et ça va remplacer le petit radiateur hydraulique. Donc en volume, on est pas mal, on est quasiment pareil. Et ce qui fait que l'huile va passer dedans, va être refroidie grâce au ventilateur et va repartir beaucoup plus tiède dans le moteur. Voilà, on fera des tests bien entendu avec le thermomètre laser pour voir si ça fonctionne bien. Et c'est un système qui est assez fiable, facile à démonter et qui coûte pas cher. Pour un radiateur à 700 euros, qui ils sont hyper fragiles, franchement, je voulais pas remettre la même. Et sous conseil de mécanicien, ils m'ont dit de faire ça, et c'est ce qu'ils faisaient souvent. Justement, pour ils mettaient des tuyaux de cuivre carrément pour remplacer le truc. Sauf que moi, j'ai gardé ces petits tuyaux à LED qui servaient au radiateur. Donc c'est du laiton avec des petites collerettes en aluminium, et ça va permettre de refroidir le liquide qui passe à l'intérieur. Voilà. Allez, hop, je me mets au boulot. Bon, et bien voilà, ça se termine. Donc à la place du tout petit radiateur qui prenait juste ça, en fait, voilà, il prenait ça, le petit radiateur. Et bien, je suis venu mettre des tuyaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les petites collerettes en alu pour le refroidissement. Donc le circuit va faire comme ça, il va passer dedans, il va être refroidi, et puis il repart ensuite dans la pompe hydraulique. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à aller chercher au magasin des colliers, parce que j'en ai plus. Il me faut des colliers, ici je l'attache, comme ça, voilà, et c'est parfait. Donc là, on a le ventilateur qui est derrière, et tout l'air froid arrive ici, et refroidira ce tuyau hydraulique. L'avantage, bah, c'est que ça se répare facilement, parce que vous avez vu comment c'est galère à trouver un petit radiateur hydraulique. Franchement, ça n'a pas été simple, et si on le trouve, bah, ça coûte super cher, et on ne sait jamais, si on est loin... On fait comment pour le changer si on ne trouve pas quelqu'un qui peut nous le ressouder sur place. Donc voilà, là au moins l'avantage de ça, c'est que c'est costaud et c'est facile à réparer. Ça c'est cool. Et puis là, ça va durer longtemps. Allez hop, je vais chercher mes colliers. Et ça sera bien pour aujourd'hui, va commencer à faire noir après. Et on se retrouve demain, à tout à l'heure, à demain. Bien le bonjour. Vas-y, viens, Jean-Phi. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, ça y est. On va démarrer ce matin. On a remis l'huile dedans. Tout est fini. Je vous ai fait voir hier. Je sais plus si j'ai tout fait voir. Si, si, vous avez vu, j'ai mis tout le circuit avec les petits radiateurs et tout. Les petits tuyaux. On a mis les colliers et tout. Et là, on va démarrer, voir. On va laisser chauffer. Puis voir si déjà les tuyaux fonctionnent bien et si déjà il n'y a pas de fuite. Donc voilà, je rappelle que c'est pour l'huile hydraulique. L'huile hydraulique sert à faire tourner le ventilateur, qui sert à refroidir le moteur. Voilà, c'est pas avec une courroie, c'est avec un petit moteur hydraulique ici, pompe hydraulique, réservoir d'huile hydraulique, filtre à huile hydraulique qui fait tourner le radiateur de ventilateur moteur, et qui faisait aussi tourner le ventilateur de clim. Et on a tout ça, tout a été supprimé. Voilà, donc on va démarrer et voir si ça fonctionne. On va laisser chauffer tranquillement et on se retrouve après. On va voir si on a des fuites. Voilà. Hop. Tout le circuit fait comme ça. Et ça va refroidir l'huile hydraulique. Bon, pour la refroidir un peu, parce que l'huile qui tombe d'un moteur hydraulique trop chaud, c'est pas bon en fait. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. C'est pratique, hein. On peut démarrer du moteur et on peut le couper du moteur. Comme ça, quand on n'a pas besoin de faire 12 mètres pour aller le démarrer à la clé. Ça, c'est vraiment bien. Il y a une petite sécurité aussi, quand vous avez le coffre qui est ouvert et que vous avez le contact, ceux qui sont au tableau de commande là-bas, ils ne peuvent pas allumer le tableau de bord.
Bon, eh bien, ça fonctionne nickel. On a quelques degrés. Bon, il faudrait vraiment faire de la route pour voir, mais on a vu qu'à l'aller, on a tout à l'heure, on avait 10 degrés à l'aller et 7 degrés retour. Donc, le système refroidit bien l'huile hydraulique. Donc, c'est nickel, c'est impeccable. Voilà, tout est monté, les niveaux sont faits. On n'en parle plus, c'est fini cette petite histoire. Cette lumière. Salut à tous, regardez comment c'est génial. Jean-Philippe, il m'a dit, si tu veux faire ta vidange, tu utilises la fosse. Oh, oh, oh. Jamais j'ai fait ça dans une fosse, quoi. Comment c'est génial. Oh la vache, je vois tout le dessous du véhicule sans me mettre dans la merde. Oh, oh quel bonheur, merci Jean-Philippe. Oh putain, c'est trop bien. Ah oui, là, j'ai pas enlevé toutes les planches, donc c'est normal. Mais j'avais pas besoin d'aller là-bas. Oh, c'est génial, en fait, une fosse. Pop, 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 pop. Donc bah là je vais faire ma petite vidange ici, vous savez, ça se passe par là, je vais démonter ça, faire la vidange, changer le filtre à huile, je vais vérifier aussi d'où ça peut venir mon problème de témoin qui s'allume par intermittent, surtout quand on est au ralenti en fait, le témoin d'huile, le pression d'huile. Voilà, en tout cas elle est vraiment en bon état en dessous, hein. T'as vu? Bon, elle est un petit peu sale. Ouais, mais ça c'est normal. Oh ouais. C'est magnifique. Moi, t'as vu ça, on est au sec, il pleut, ouais. Il pleut dehors, on est au sec, on va pouvoir bricoler. Ça c'est... Ça c'est top. Génial. Oh là là, la vache. Alors voilà, on se retrouve ici. Je suis pas habitué aux fosses, hein. Comme par hasard, il y a un petit regard, vous savez, avec le vide-cave pour un vélo, s'il y en a. Je fais tomber la vis dedans. Heureusement, j'ai des enfants. Ouais. Ils m'ont récupéré la vis. Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons voir... Comment nous effectuons une vidange? Quelle invention magnifique qu'est le moteur à explosion. Tout a commencé en 1500... Non, on va pas commencer comme ça. En gros, ils ont inventé un jour un moteur qui a beaucoup évolué maintenant, avec entre guillemets une grosse pièce métallique, fixe avec une pièce métallique à l'intérieur, un piston. La pièce métallique qui est immobile, c'est le cylindre. Et grâce à ça, ils ont réussi à faire, par l'intermédiaire d'un vilebrequin, enfin c'est assez complexe, ils ont réussi à faire une pièce métallique qui faisait ça dans une autre, et avec de l'essence qui arrive, ça fait une explosion, ok? Et le piston, il repart, il revient, il réexplose, et boum, 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 boum. Et grâce à ce mouvement, comment on peut dire, cylindrique, ils ont réussi à faire un mouvement rotatif. Et ils ont réussi à faire tourner des roues. Donc ils ont réussi à fabriquer des voitures, des camions, des motos, tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui... Même si ça a beaucoup évolué, on en est toujours à ce moteur à explosion. Maintenant, tout a évolué parce qu'on peut tourner à l'essence, au gasoil. Et les moteurs polluent beaucoup moins. C'est ça qui a été la grosse évolution en fait, des dernières années. C'est qu'on a réussi à optimiser les moteurs pour que le gasoil qui rentre dedans soit au maximum brûlé pour avoir un meilleur rendement et pour moins polluer. Mais à la base, voilà, le moteur à explosion, au final, par lui-même, il n'a pas vraiment changé. Même si les matériaux ont changé, le moteur n'a pas vraiment changé. Donc voilà, et ces pièces mécaniques en mouvement sont en métal, après de différents métaux, on ne va pas développer là-dessus, c'est des pièces métalliques. Et ces pièces métalliques, un piston qui glisse dans un cylindre, ça fait comme ça dans le cylindre, et ben, il faut qu'il soit lubrifié. Oui. Parce que du fer contre du fer, ça raille, s'il n'y a pas d'huile. S'il n'y a pas d'huile, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait de l'huile. Donc, ils ont eu l'idée, dans un premier temps, de mélanger de l'huile à l'essence. Ça, c'était le moteur de temps. Donc, ça lubrifie en permanence ton moteur. Le problème, c'est que l'huile, tu la crames et tu l'envoies dans les airs, dehors, dans la nature. Tu pollues, pas bien. Et là, ils ont dit, tiens, pourquoi on ferait pas un truc avec un bac en dessous, avec de l'huile? D'accord? Ça, ça a été le moteur 4 temps. Les pièces mécaniques vont venir barboter dans l'huile. Il y aura des petits tuyaux qui vont venir graisser, les trucs à graisser à droite, à gauche, à l'intérieur du moteur. Mais l'huile ne s'échappera plus. C'était le moteur 4 temps. Voilà, ça nous évite de consommer de l'huile. Et voilà. Et ça évite de polluer la planète. Grâce au moteur 4 temps, nous polluons moins. L'inconvénient, si on peut dire que c'est un inconvénient, c'est qu'il faut vidanger l'huile parce que ton huile, elle va se salir. Comme les frites. Tu ne peux pas faire des frites pendant un an avec la même friteuse. Enfin, d'accord ? Ton huile avec la même huile. Ton huile exacte. Il suit bien, Théo. C'est très bien. Un point en plus, un bon point. Donc, on ne peut pas garder la même huile. Donc, il faut la vidanger pour que l'huile, elle garde toutes ses caractéristiques. Et pour ses capacités propres. Ses caractéristiques. Voilà, ses capacités aussi, si tu veux. Voilà, si vous laissez une vieille huile, eh ben, elle va perdre à froid, à chaud. Elle n'aura plus les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques. Et du coup, elle pourra user prématurément votre moteur. Donc, il faut régulièrement faire des vidanges.
Ok, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons vidanger le carter d'huile, voilà, qui est ici. Vous avez le bouchon qui est ici, qui a été, ouais, qui a été dévissé dégueulassement. Il est bien foiré, ils l'ont dévissé à la pince multiprise. Donc j'espère que ça va bien, ça va être facile pour nous. Et ensuite, nous avons un filtre à huile. Le filtre à huile qui sert à... filtrer l'huile. D'où son nom. Quand vous ne savez pas quelque chose à quoi ça sert, s'il a un nom simple comme ça, vous avez juste un filtre, ça sert à filtrer. C'est pas toujours comme ça. Voilà, donc on va voir tout ça. Dans un premier temps, on vidange, on enlève le filtre à huile, on remet le filtre à huile, on remet le bouchon. Parce que si tu fais couler l'huile en haut et que tu n'as pas remis le bouchon en bas, ça descend dans la fosse à Jean-Philippe. Ça coule dans le regard où il y a le vide-cave. Ensuite, on aurait mis le vide-cave en route, il aurait aspiré tout l'huile. Comme il a mis le vide-cave, que ça va purger sur la toiture, elle se retrouve tout noire. Il suffit qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une cigarette, il fait ça sur l'huile, la toiture, elle prend feu, le garage, il prend feu, la voiture, elle prend feu, nous, on prend feu, tout le monde prend feu. Donc, faut faire super attention. Donc, si on prend feu, on meurt. Si on prend feu, on meurt. Si t'es plus là, t'es plus là. Et si t'es plus là, bah... Ah, si t'es plus là, t'es au ciel. C'est au ciel, fais comment pour avoir ton nouveau projet? Bah, tu peux pas. Bah, non. Si t'es plus là, tu peux plus faire de frites. On a un élève qui arrive. On est bien. Parce que ici... Donne la main. Parce que ici, là, tu vois... Non, ça fait pas peur, regarde. C'est pour bricoler la voiture. T'as vu l'auto? Ah oui. T'as vu ça? Ouais. T'as vu? Bizarre, hein? Ça, c'est un regard pour aspirer l'eau quand il y a de l'eau. Comme ça, c'est une... Ouais, des fois, quand il y a de l'eau dedans, eh ben, il la met en route et ça envoie l'eau dehors. Comme ça, c'est une onde. Voilà, allez, avance un peu là-bas, parce que là, il y a de l'eau qui coule. Ouais, viens. Non, laisse la porte fermée comme ça, ce serait bien. Au boulot! Alors, Julia va faire la vidange avec nous? Oui! C'est trop bien. Alors, comme ils ont dévissé le boulon comme un gros crado, eh ben on va être obligé de leur dévisser à la pompe, à la pince. Attention, Lucie, tiens, monte un petit peu d'un cran. Voilà, merci, très mignonne. Oh, bah dis donc. Ah, bah c'est venu tout seul. Voilà. Là, il faut le bidon. Jean-Philippe, il a sûrement son astuce. Mais nous, comme on ne la connaît pas, on va faire à l'arrache. Mais on va essayer de ne pas en mettre par terre. Hein. Déconne pas. Là, on enlève le bouchon, on le garde dans nos doigts pour pas qu'il tombe dans le bidon. Pas comme la dernière fois, ouais. Où il était tombé dans le bidon. Ah, dis donc, ça a bien été forcé, ça. Oh, nice. Voilà, c'est bon, ça vidange. Avec quelle couleur, lui, le Julia? Bleu. Elle est bleue? Noir. Ah oui, je comme préfère. Comme ton crayon noir. Et tout ça sans une goutte par terre. On va mettre du papier à tour, au cas où. Voilà, on a fait on a vidangé. Maintenant, on va faire le filtre à huile. Franchement, c'est bien fichu parce qu'il est en hauteur et du coup, quand vous faites la vidange, quand vous enlevez le filtre, il n'y a quasiment pas d'huile qui coule sur le moteur. Vous savez, c'est pas comme les filtres tout métalliques. Voilà, donc faites bien attention les enfants parce qu'il y a toujours des joints. Il y a un petit joint ici. Il y a un petit joint en bas, donc on va chercher un petit tournevis et on va les faire sauter. Et remettre les nouveaux joints qui sont fournis avec dans le paquet. Un petit tournevis plat. Tout petit. Tout plat. Hop, on le met vite dans la petite boîte avec un petit papier en dessous. Pas que ça salisse tout. C'est cracra lui là. Hein? T'aimes bien faire les vidanges? Ouais, on fera des vidanges plus tard. C'est pour faire quoi ça? Le tournevis? Ouais. C'est pour enlever un petit joint qui est caché là, regarde. Tu veux faire? Ouais. Non, tu vas tout salir. Bah, c'est bon. Ouais, mais non. Ouais, il a cassé, regarde, il est vieux. Oh là là, il est tout dur. Il y a longtemps. C'est pour faire quoi ça? Il y a longtemps qu'il n'a pas servi, lui. Enfin, qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été changé, je veux dire. Ah ouais. Et on en a un autre qui est caché là, regardez. Voilà. Lui est tout moisi. C'est le papa et la maman. On regarde s'il y a un sens. On ne sait jamais. En général, il faisait attention de les mettre dans le même sens. On essaie de pas trop le salir comme je viens de faire avec mes doigts. Il y a des joints des deux côtés, il est identique. Je peux le mettre comme ça, sans problème. Voilà, clac. Il est clipsé. On n'oublie pas de remettre les deux joints qui sont ici, qui vont se remettre bien plus facilement, hein, parce qu'ils sont tout mous.
Donc moi, je les regresse, tu vois, pour quand je vais venir visser, pour être sûr que ça se visse bien. OK ? Quand on a bien remis le bouchon, quand on a bien remis le filtre à huile, on a bien vérifié que le bouchon était là, on a vérifié que le filtre à huile était bien serré, on a mis de la graisse sur le filtre à huile, enfin de l'huile sur les joints. On ne l'a pas trop serré non plus parce que ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Et maintenant, on remet l'huile. Donc, tu as toujours un bouchon pour remettre l'huile en haut. Oui. Ça, c'est logique jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est l'huile voilà. Moteur. Ah, c'est bien, tu ne peux pas le perdre. Voilà, c'est l'huile moteur, exactement. Voilà, tu fais ça comme ça. Et ici, tu as la jauge pour contrôler manuellement. Mais ça, on verra après. OK ? Donc, on remet l'huile. En général, dans les moteurs comme ça, on a 4 litres, 4 litres 5. Voilà, c'est une variante. Hein. Si tu veux être sûr, tu regardes sur ta notice et tu regardes exactement combien il faut d'huile. Voilà. Donc, tu y vas gentiment. Tu l'enfonces gentiment, tu la ressors. Et tu regardes. Tu vois, regarde là. Non, regarde. C'est tout sec. OK ? Ah ouais. Donc, je peux remettre de l'huile. Allez, vas-y, tu l'enfonces gentiment, sans forcer. Moi, je la prends. On est tout au minimum. Voilà. Donc, c'est bon ? Ah non ? Non, bah non. Attends, après, on va remettre. On enlève. Et on regarde. Tu vois, l'huile, elle est au milieu, là. OK ? Ouais. Et on peut monter jusque là. Une fois que l'huile sera là, c'est tout. Il y en aura trop. Donc, on fait attention. OK ? On en remet. Tu peux le mettre ou pas ? Et bah, tu vois, on dirait qu'il y a pile poil 5 litres. On est parfait. Impeccable. Et ben, tu vois, en fait, on est en haut. On aurait dû jouer trop. Trop génial. Voilà. La vidange est faite. Cool. Une minute de deux, c'est tout bon. Serre la pince. C'est fait, madame. Voilà, j'espère que cette petite, ce petit cours vous aura plu. Oui, monsieur. Très cher. Très cher. Vous préférez ça ou le français? Je préfère ça, je pense. Bon, bah, merci beaucoup pour ce cours. Ouais. Tu veux pas faire. Tu veux qu'on aille faire des maths? Allez, on va faire un peu de maths. Non, mais reste là! J'étais en train de penser à un truc. Ça vous est déjà arrivé si vous avez une fosse? Genre, vous remettez toutes les planches et là. Mince, j'ai oublié mon téléphone dedans. Là, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Oh là là, ça caille ce matin. Regardez. Ça, c'est juste ce qui se trouvait dans mes petits coffres que j'avais fait au-dessus de mes passages de roues. Et là, il n'y en a que trois, parce que c'est le premier passager devant, je l'ai vidé déjà avant-hier. Et là, j'ai vidé les trois autres. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis super étonné de la surface en fait qu'il y avait, quoi, de rangement. J'ai bien fait de les faire, ces petits coffres. Hein, vous voyez, ça, c'est à l'origine, c'est moi qui les ai créés, ça n'existait pas. C'était que des espaces perdus et vides. Donc, quand vous voyez ce qu'on peut ranger dedans, il faudrait presque le peser, en fait, savoir combien il va faire. Voilà, ça y est, tout est vide. Et vous savez, on me dit souvent, est-ce que tu te rends compte, Jérémy, le boulot que t'as fait, en fait, la masse de travail que t'as fourni et tout pour faire ça? Et là, je me rends compte, en fait, que ouais, il y a vraiment eu du boulot de faire. Quand je vois toute l'isolation que j'ai fait partout dans les coffres, les ouvertures, les trucs, je repense à la mousse que j'ai fait, l'isolation, enfin, je repense, j'ai eu un petit... j'ai une petite pensée tout à l'heure et... J'ai pensé à tout ça, je me suis dit, oh la vache, c'est vrai quand même que j'en ai fait pas mal. Heureusement que j'ai été aidé aussi un peu. Mais vraiment, il y a vraiment eu du boulot de fait. Et là, je m'en rends compte. Le fait de vider, de voir tout ce que j'ai fait, les tuyaux, les isolations à droite, à gauche, les machins. Oh. Quel taf! Prune, 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 qu'est-ce que... Prune. Ah, ça fait chier de prendre une prune, on a envie de crier, de faire... Ah, c'est pas juste! On s'arrêtait. 2 minutes, je suis sûr, il était comme ça caché. Il a dit, ah, je vais leur mettre un truc. En plus, on avait de l'argent pour mettre dans le parc mètre. Pourquoi on l'a pas fait? Je t'ai dit, tu m'as dit, oh, c'est bon, on va pas. T'es vadrouilleur, t'as vu? N'empêche. J'ai dit, ouais, vas-y, on est vadrouilleur, je me gare. Tiens, bon, c'est pris une grosse prune. Non, mais, ça va, chouchou, ça va non, bien mais se passer. 25 balles, je sais pas s'ils se rendent compte, 25 euros, c'est énorme. On est resté. Ouais, est je sais, vous allez dire, t'avais qu'à payer. Mais non, il y avait plein de places partout. On a dit, ça va, 5 minutes, quoi. On n'est pas resté longtemps. Oh, la ville, nous, on n'est pas habitués. On n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués. Ouais, on va se faire traiter parce que ouais. C'est normal. Faut Bye.
drop, drop, drop. I'm gonna make it hot.